Le 27 décembre, je commence mon premier vidéo, mon premier tournage. Je commence les vidéos sur YouTube, ma première aventure. C'est la première fois que je parle devant une caméra, mon premier vidéo. Ma chaîne va proposer un contenu de vlog. Je vais essayer de me baser sur des youtubeurs anglais que je connais. Ici, comme vous le voyez, on est chez moi, à Montréal. Mon père a aussi un chalet que vous allez sûrement découvrir par les prochains vlogs qui vont suivre. Puisque puisqu'en ce moment, pour moi, c'est le temps des fêtes. Et que pour vous, sûrement, ça va être plus tard. Vous allez aussi vous demander pourquoi, mais on s'en va au chalet pour faire des choses en famille, des aventures. On s'en va faire du 4 roues, peut-être que vous allez aimer. On s'en va faire plein de nouvelles choses que vous allez sûrement trouver le fun à voir. Et c'est ça. Alors, soyez pas étonnés si vous voyez un décor de campagne. Ici, on est en ville. C'est complètement différent. Mais dans les prochains vlogs qui vont suivre, vous allez être en ville, vous allez vous reconnaître. Mais pour l'instant, ça va être au chalet. C'est pendant que j'ai le temps, en fait, puisque je suis au secondaire. Et c'est un peu compliqué, les travaux. Alors, le temps des fêtes, je vais être au chalet. Vous allez voir des vlogs qui vont sortir du chalet, ou peut-être pas. Peut-être des vlogs juste en ville, on va voir. Et ça va être un peu mon format. Je vais peut-être faire une ou deux vidéos par semaine. Je me présente comme ça pour bien amorcer, pour que vous sachiez à quoi je ressemble, qu'est-ce que je vais faire, pour vous guider un peu. Pour ceux qui vont voir mes prochaines vidéos, qui vont se rediriger sur celle-là, pour voir à quoi vous pouvez vous attendre. C'est aussi ma première caméra, la première caméra que j'ai à moi-même. J'avais celle de ma mère. Celle de ma mère, c'était une caméra photo. Je me suis procurée pour les fêtes, pour Noël, une caméra. Je vous la montre. Vous ressemblez à ça. C'est un caméscope. Au début, je voulais pas vraiment avoir ça. Je trouvais que ça faisait un peu quétaine. Mais ça m'a été recommandé. C'est une super bonne caméra pour commencer. Avec, j'espère, une belle qualité audio. On m'a recommandé ça, j'ai acheté ça, c'est une caméra vidéo. Et j'espère que ça va faire un meilleur rendu que la caméra photo de ma mère. Et c'est ça. La marque, c'est une Canon Vixia. Je regarde là parce qu'il y a juste le modèle. R700. Je vais commencer avec ça, ça va être mes débuts d'aventure avec cette caméra. Je vais peut-être la changer dans les futures vidéos, si ça me plaît pas. Le jour où YouTube deviendra rentable, ou j'investirai là-dedans, comme matériel. Pour l'instant, je pourrais la garder aussi longtemps que je vais pouvoir, jusqu'à temps que ça ne fasse plus l'affaire de vous ou de moi. Comme vous le voyez, je suis moyennement à l'aise devant une caméra. Je suis encore un petit peu stressée pour mes débuts. Au fur et à mesure, ça va se régler, je vais être super à l'aise. J'ai même un petit bâton pour pouvoir faire en sorte qu'on voit moins mon bras quand je filme, pour m'aider tout simplement. Je vais être, un jour, je serai plus à l'aise. Alors, je commence ma vidéo le 27 décembre 2016. Ou à la date où vous allez avoir, un des deux. Vous comptez ça comme vous voulez. Je compterai mes 1 an dans 1 an, mes 2 ans dans 2 ans. J'espère que vous allez aimer. Je conclue cette vidéo ici. J'étais justement en train de faire le montage de cette vidéo. Justement, je trouvais que ça finissait un peu sec. Je voulais juste vous souhaiter de bien aller, tout simplement, de faire attention à vous. Alors, je vais conclure cette vidéo ici. Ça va être ma première de toute ma vie, ma première dans tout. À la prochaine.